Et bonjour les gars, bonjour les filles, amoureux de la K-pop, me voici BJ de retour pour une réaction à un clip de K-pop. Et cette fois-ci on a le titre Puzzle Moon, qui est très récent, qui est sorti en début septembre, 5 septembre pour être précis, du groupe, alors je sais pas, GWSN. Je sais pas si le quoi c'est les initiales, c'est pas marqué dans le titre. Est-ce que c'est un groupe de garçons, de filles, quel style, je ne sais pas du tout. Je vais découvrir ça tout de suite pour vous. Allez, c'est parti. C'est le logo de... ouais, de leur compagnie, c'est Kiwi Pop, ok. Je connaissais pas. Des petits sons. On dirait un livre d'images animé. Qu'est-ce que c'est? C'est des filles? Ouais. J'aime bien. Ouais. Rubik's Cube. Je sais pas où ça va aller, mais j'ai l'impression que ça va être pas mal. Oh, oh, j'adore. Mais c'est quoi ça? C'est génial. Il y a beaucoup de ce genre de son en ce moment, je suis fan. Encore une fois, c'est cute dans leur manière d'agir et de chanter et de danser. Et il y a un son et qui balance. Ah, là, on est dans l'attente, c'est un pont, un bridge. J'aime bien même dans les moments les plus calmes quand il y a des claquements de doigts parce que ça veut dire non, non, ça va revenir, les gars. Oh, la bibliothèque, génial, j'adore. Celle au cheveux rouge, ça lui va super bien, elle est mignonne. Je confirme. Allez-y! Oh! Je suis fan de ce son. Elles sont dans un labyrinthe à ce qu'on voit dans les, sur les tableaux. Pourpre, couleur... oh. Oui, il y a beaucoup de pourpre, la couleur de la maison dans Friends, de Monica, pour ceux qui connaissent. C'est joli comme coloration, comme animation. La larve, je sais pas s'il représente quelque chose avec les symboles bizarres. C'est original aussi, leur mouvement et tout, j'aime bien. Ouh, en plus, c'est ma copine aux cheveux rouges. C'est très très bien. Oh. Il était beau le livre. Waouh. Qu'est-ce qu'elle regarde? Les images sont magnifiques. Elle regarde l'arbre. On dirait une peinture. Et il y a un escalier qui se forme. Est-ce qu'on peut aller de l'autre côté? L'arbre, c'est en train de se casser au loin là-bas. Ah ben, Zivon, elle passe de l'autre côté. Et ben, c'est la période des surprises. J'enchaîne surprise sur surprise en ce moment. En même temps, je découvre des titres. Et c'est très étrange, mais ça marche super bien, je trouve. L'alliance du cute, très leurs petites voix qui font des mélodies très mignonnes, avec ce son boum, 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 très club. Alors là, c'était pas club badass qui défonce, mais c'est du bon son qui tape et j'adore. J'ai le droit d'adorer, j'aime. C'est pour ça que j'écoute de la K-pop, je le dis à chaque fois. J'aime tellement tout ce qu'ils font, leur originalité, ils me surprennent à chaque fois. Il y a de très bonnes
musique, hein, que ce soit française, américaine et tout. Là, je le dis rarement ce que je suis en train de dire. J'adore tous les styles de musique. Mais ce qui est spécifique dans la K-pop, c'est qu'on dirait qu'ils osent beaucoup de choses et que on n'a pas l'impression d'entendre les mêmes soupes qu'on entend à la radio à chaque fois. C'est vraiment rafraîchissant. En tout cas, ce titre m'a fait ressentir ça. Je suis vraiment content de l'avoir découvert. Avant de vous dire au revoir, il y en a qui vont être habitués. Je vais parler de ma chaîne principale, qui est une chaîne de geek jeux vidéo. Si vous êtes curieux, cliquez sur le lien dans la description en bas pour aller voir ce que c'est. Vous dites, tiens, il a une chaîne principale lui. Et si ça vous plaît pas, ben, vous pouvez vous casser, hein, y a pas de souci. Et si ça vous plaît un peu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me soutiendra, ça me fera plaisir. En attendant et jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien. Ciao.